Certaines fois, la vie nous réserve des surprises. Comme pour Cécile Assoba qui vient de gagner une moto neuve et Guy Koudenoukbo un mini-ordinateur. Eux, ce sont les heureux de tous les candidats ayant réussi aux différents examens de cette année. Ils sont tous de la mission évangélique des affranchis d'Apapa. Ceci n'est pas une première puisque depuis 10 ans, l'aventure dure. Nous avons vécu plusieurs années sur cette même paroisse sans aucun cadre. Le maximum qu'on pouvait voir en son temps, c'est un titulaire de BEPC. J'étais là quand Dieu m'a inspiré un matin pour me dire, avec le peu de moyens que tu as, tu peux acheter quelques cahiers et donner. Et je vous assure, depuis 10 ans que j'ai commencé, nous avons assez de cadres maintenant. Quelle joie peut t'animer quand l'on gagne par tirage une moto et un mini-ordinateur? Je rends d'abord grâce à Dieu, parce que sans lui, l'homme ne peut rien. Même pour le bac là, lorsqu'on voulait donner les résultats, j'avais peur. Et c'est par la grâce de Dieu qu'ils ont programmé mon nom. Voici encore une autre chance que je viens de voir. Donc je rends grâce à Dieu. Je suis vraiment très ému parce que c'est inattendu. Je ne m'attendais pas à ça, mais par la grâce de Dieu, je l'ai eu et je remercie Dieu. Cette 10e édition de remise de prix Momeuse Apprenant est le moment de rappeler aux parents de faire inscrire tous leurs enfants pour la prochaine rentrée.